Cher éditeur en chef, je suis bien conscient de n'avoir que trop tardé à vous écrire. Mais quand je vous aurai raconté tout ce que j'ai traversé, vous saurez vous montrer compréhensif. Tout a commencé à bord du MS Epomeo. Le paquebot qui était censé me conduire à Shanghai pas, Milou. Non, tu ne vas pas me dire que tu as encore faim. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Mais arrêtez qui? Arrêtez quoi? Est-ce que tout va bien, monsieur? Le papyrus de kiosque, il va s'envoler. Je vais vous le rattraper. Cours, Milou! Si nous le perdons de vue, nous ne le retrouverons jamais! Hé, mais faites attention! Excusez-moi! Faut pas courir comme ça, mon gars! Oh, dis donc, je viens de passer la serpillière! Non! Tourne! Tourne! Oui! Non! Hé, hey, vous! Qu'est-ce que vous fabriquez? Descendez de là! Vous allez vous rompre le cou! Vous m'entendez? Descendez de là, nom d'une pipe! D'accord! Où est-il? Où est-il? Là! Oh non, encore! La prochaine fois, c'est vous qui nettoyez! Où est-il passé? Les scripts! Le voilà! Attention, monsieur! Excusez-moi, chaud devant! Ah! Mais quelle idée de sauter partout comme cela! Hey! Désolé! Il est passé dans ce tuyau. Quelqu'un aurait-il vu passer? Personne ne l'a vu. Le voilà. Allons-y, Milou. Nous le tenons. Pourquoi ce jeune homme court-il? Je crois qu'il a volé un papyrus. Attrapez le chenapan à la houppelle. Ne laissez pas s'échapper. Ce garçon est un voleur. Pas à mes affaires, Gouja. Arrêtez le voleur. Ne laissez pas s'échapper. Arrêtez-le! Je l'ai! Allez! Halte là, mon larron! Bouge non! Arrêtez-le! Il va tomber à l'eau! Trop tard! Oh! Un petit garçon égaré! Que tu fais? Tu dois avoir. Nous allons te trouver quelque chose à manger! Tu vas aller t'aller! Laissez-moi partir! Oh, ah, saleté! Tu ne m'échapperas pas, voleur! Mais je ne suis pas un voleur! Quel genre de voleur essayerait de s'enfuir d'un bateau en pleine mer? Il n'y a nulle part où aller. Ouais, ça se tient. Je suis désolé. C'est malin. Il avait l'air de tenir tellement à son papier, ce pauvre... Ça alors? Il a disparu? Oh oui. Il a filé vers le pont supérieur, avec un petit chien, pour chercher quelque chose à manger. Oh, Milou. Quelle tête de mule. Là. L'accès à ce pont est interdit.
Il y a des gens du cinéma qui n'ont réservé rien pour eux. Ce gourmand de chien. Je dois l'arrêter. Le pauvre monsieur. Oh, je dois bien ça. Alors... Viens avec moi. Merci. Ah, vous savez, Milou est un véritable estomac sur pattes. Mais, dites à personne que je vous ai laissé passer, hein. Bon, où sont-ils passés ? Mieux vaut ne pas la déranger. Elle semble concentrée sur sa lecture. Bonjour, monsieur. Auriez-vous vu un petit chien accompagné de... La dernière heure est arrivée ! Spiegel l'Espagnol ! Mais qui êtes-vous ? Je vais devoir reprendre toute la scène depuis le début. Mais vous auriez pu me blesser ! Et vous l'auriez bien mérité, pour avoir interrompu ma scène ! Pourquoi est-ce ouvert ? Quelqu'un serait-il tombé à l'eau ? Oh, et vous allez bien ? Bien le bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider, monsieur ? J'ai surtout l'impression que c'est vous qui auriez besoin d'aide. Si tel est votre désir, monsieur, j'accepterai votre aide avec un grand plaisir. Attendez que je réfléchisse. Comment pourrions-nous vous sortir la tête de cette... Si je peux me permettre, monsieur, ce n'est peut-être pas le plus urgent dans l'immédiat, monsieur. Auriez-vous l'obligeance de me demander de vous remettre ces verres, monsieur ? Oui, je dois pouvoir le faire. Je vous demanderai de bien prendre garde à ne pas perdre la bague qui se trouve au fond de l'un des verres. Monsieur... Oui, je dois pouvoir faire cela également. Il faudrait également me demander de vous laisser les apporter au gentleman qui m'a donné cette bague et qui m'a commandé ces verres, monsieur. Près de l'autre escalier, monsieur. Oui, je peux tout à fait faire cela. Je me réjouis d'avoir pu vous être utile, monsieur. Mais ne tardez pas, je vous prie. Les gens de cinéma ont un fort tempérament et je n'ai guère envie de perdre ma place, monsieur. Nuit d'Arabie, réalisé par Mel G. Ford. Ce paquebot porte le nom du mont Epomeo, situé sur la petite île d'Ischia, en Italie. Attention ! Je suis en train de cirer ! Et ça glisse ! Oh, merci ! Dites donc, quelle corvée cela doit être ? Vous voulez rire ? Cirer le pont, c'est la plus chouette corvée que je connaisse. Et puis, plus on baisse la tête, moins on a de chance de se prendre une taloche. C'est ma seule et unique devise. Ma parole, ces acteurs sont parfois d'une arrogance. Thank you.
Vous me sauvez la vie, jeune homme. Sur ce, revenons-en à ma raison de vivre. Ma chère Mathilda. Ah, petit déjeuner. Ma chère Mathilda, il y a une chose dont j'essaie de vous parler depuis... Mon très cher Marvin, enfin, voyons. Il y a des moments dans la vie où, votre cœur, mon cœur, nos cœurs... Avec l'âge, certaines choses deviennent difficiles à supporter pour nos cœurs et... Très cher Marvin, il était grand temps que l'un de nous se décide à le dire. Ma chère Mathilda, vous aussi vous ressentez la même chose? Nous ne rajeunissons pas. Et ce genre de petit déjeuner est mauvais pour le cœur. Cessons. Un grand merci, mon très cher Marvin. Mais de rien, ma chère Mathilda. Monsieur, puis-je considérer que vous avez servi les verres, monsieur ? En effet. À présent, ne pensez-vous pas que nous devrions faire quelque chose pour votre tête ? Tout à fait, monsieur. Si telle est la volonté de monsieur, bien évidemment. Bon, je vais pousser et... Oh non, monsieur. Si je puis me permettre, il serait fort peu avisé de faire cela. J'ai déjà essayé. Mais la peau de mon cou est collée au barreau métallique et refuse de bouger. Je pourrais peut-être essayer de trouver quelque chose qui rendrait les barreaux plus glissants. Si monsieur le désire, je suis là pour vous servir, monsieur. Faites attention! Le pont est glissant à cause de la cire. Au fait, je voulais vous demander quelque chose. Pourrais-je vous emprunter votre pot de cire pour un ami? Cela ne prendra qu'une minute. Être généreux avec les gens qui vous demandent de la cire. C'est ma seule et unique devise. Regardez, j'ai trouvé de la cire. Elle devrait aider votre tête à glisser entre les barreaux. Si telle est la volonté de monsieur, je serai heureux de vous laisser essayer, monsieur. Très bien. Alors maintenant, les barreaux sont bien glissants, donc il est temps de pousser. Ça a fonctionné! Oui, oui, monsieur. Je suis ravi que vous en soyez satisfait, monsieur. À présent, si vous le permettez, monsieur, j'ai déjà consacré un temps plutôt considérable à votre service, monsieur. Et je m'en vais donc vous souhaiter une bonne journée, monsieur. Il vaut mieux éviter de marcher sur le pont ciré. Il est bien trop glissant, comme a pu le prouver la tête du serveur. Grâce à ces manches à air, nous pouvons respirer de l'air frais dans les ponts inférieurs.
là. Arrêtez. Hé, tu le connais? Vous êtes l'ahuri qui a fait tomber tous les scripts par terre. Je vous prierai de rester poli, monsieur. Vous priez? Venez un peu par ici, je vais vous donner une bonne raison de prier. Mes poings sont impatients de faire votre connaissance. Je vous prie de m'excuser, mais je dois décliner votre invitation. Laisse filer cet ahuri, frère. Il vaut mieux éviter de déranger le patron pendant qu'il y a un nouveau script. Pardonnez-moi, monsieur, mais mon chien est-il... Milou, j'ai retourné tout le bateau pour te retrouver. Tu n'as pas honte? Descends de là tout de suite. Je suis désolé, monsieur. C'est un très vilain gourmand. Mon chien ne vous a pas trop embêté? Un chien? Je n'ai croisé aucun chien, jeune homme. Ne pouvez-vous faire la différence entre un jeune homme et un chien? Bien sûr que si, jeune homme! Les chiens aboient plus qu'ils ne mordent, tandis que les jeunes hommes mordent plus qu'ils n'aboient. Qu'est-ce que vous faites là? Vous le voyez bien, je rame! Oh, mais votre canot n'est pas à l'eau. Tiens, c'est vrai. Vous êtes très observateur, jeune homme. J'ai essayé de rattraper votre papyrus, mais il est tombé à la mer. À la mer, mon papyrus? Jamais de la vie, il est toujours sur moi. Ce que vous avez vu s'envoler était un prospectus d'agence de voyage. Curieux, je vous ai pourtant entendu distinctement prononcer le mot papyrus. Ne pensez-vous pas... que vous pourriez être légèrement... Ah. Oh non, regardez ce que vous avez fait. Moi? Vous et vos incessantes questions m'avez fait oublier pourquoi je ramais. Ah oui, c'est ballot. Et hop. En même temps, les questions sont le propre des esprits aventureux. Donc je vais vous révéler un secret. Un secret concernant quelque chose d'extrêmement secret. Quelque chose d'hautement confidentiel. Donc, cette marque rouge sur la carte indique... l'emplacement exact du tombeau de Kiosk. Oh, dites-moi, quel est ce dessin bizarre? Je crois qu'il s'agit du signe royal de Kiosk. Et moi, Philémon Cyclone, je serai le premier égyptologue à mettre au jour sa sépulture. Que signifient ces hiéroglyphes? Ils parlent de la malédiction de Kiosk qui frappe quiconque tente de découvrir son tombeau. Pour tout vous dire, tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Si tout cela vous intéresse, pourquoi ne pas vous joindre à moi? Rendez-vous demain dans la vieille ville de Port Saïd. Bien volontiers. Ce serait avec plaisir, n'est-ce pas, Milou? Dans ce cas, à demain, cher ami. Et au revoir, mon petit garçon. Oh! 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 Je vous demande pardon, commandant. Quel bien étrange personnage. Espèce d'imbécile! Vous ne pouvez pas regarder devant vous! Vous demande pardon, je vous avais pris pour une manche à air. Imbécile! Arrêtez! Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Ce monsieur ne vous a pas bousculé volontairement. Espèce de misérable freluquet! De quoi vous mêlez-vous? Hé, vous deux, pourquoi est-ce que je vous paie? Vous allez le regretter, je le crains. Messieurs, inutile d'en arriver là. Quelqu'un pourrait se faire mal. Oh, mon nez! Oh,
Mon nez. Le nez de qui? Le nez de qui? Votre nez. Pas mon nez. Oh, ma main. La main de qui? Affaire. Allez, à toi. Un, deux, trois. Misérable bande de ballots. Balourds. Vous vous prétendez garde du corps? On y va. Et vous? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous regretterez un jour de vous être mis à travers de mon chemin. Souvenez-vous de mon nom. Plutôt cocasse. Il ne m'a même pas dit son nom. Mais son visage me dit quelque chose. Le lendemain, après un délicieux petit déjeuner offert par un serveur fort reconnaissant... Allons, Milou. Nous devrions arriver à Port Saïd dans quelques heures. Comment veux-tu passer le temps en attendant... Quoi? C'est étrange. Tu sens aussi quelque chose. Peux-tu repérer d'où provient cette odeur, Milou? Qu'est-ce que c'est, Milou? Cette partie du tapis est humide. Mais l'empreinte ne l'est pas. Quelqu'un est venu ici il y a peu de temps. Peux-tu continuer de chercher d'où vient cette drôle d'odeur, Milou? Qu'as-tu découvert, Milou? On dirait les cendres d'un énorme cigare. D'où cette odeur? Quelqu'un qui fume est entré dans la cabine. Très beau travail, Milou. Je prends le relais. Il y a de l'eau dans la cuvette. Une personne a dû renverser le broc. L'eau a coulé sur le tapis, ainsi que sur son pied. Et voilà qui explique notre empreinte. Mon appareil photo de reporter est l'objet le plus précieux dans cette cabine. Ce qui signifie que notre intrus n'est pas entré pour nous voler, Milou. Le panneau est accroché à l'extérieur. Ce n'est donc pas le service de chambre qui est entré et qui a fumé ici. Tintin et Milou sauvent la mise. Cette photo a été prise au cours du banquet organisé en notre honneur par la ville de Chicago après que nous ayons affronté Al Capone, la femme blonde et Mary Pickford, la célèbre actrice. Et l'homme avec un monocle? Minute! C'est l'irascible individu d'hier! Il me semblait bien l'avoir déjà rencontré! Roberto Rastapopoulos, le directeur de la célèbre firme de cinéma Cosmos Pictures. Mel G. Ford va réaliser Nuit d'Arabie. Sapresti, c'est l'homme que j'ai vu hier en train de dormir sur le pont supérieur. Les tiroirs? Ce serait vraiment consternant que quelqu'un ait volé mes vêtements. Néanmoins, je peux toujours jeter un œil.
Bon, il ne me manque aucun vêtement, comme je m'y attendais. Oh, mais cette boîte ne me dit rien du tout. Comment s'est-elle retrouvée? Hein? Vous êtes bien le nommé Tonton? Et vous le nommez Milou? Oui, c'est bien nous. Que... Tiens, tiens, tiens. Notre tuyau disait vrai. C'est bel et bien de l'opium. Quoi? Mais c'est une plaisanterie. Au nom de la loi, je vous arrête. Jouez votre chien. Je dirais même plus, la loi vous arrête au nom de votre... Où est passé votre chien? Il s'est échappé. Il faut annoncer à l'équipage qu'il y a un criminel à quatre pattes en liberté. Oh. Venez avec nous, misérable malfaiteur à deux pattes. Enfin, tout cela n'a absolument aucun sens. Aucun sens? La justice va vous en donner... Qui a mis cela? Sûrement le chien. Pour nous arrêter. Le vil gredin. Mettons sa truffe à prix. Pourrions-nous enfermer ce criminel? J'en étais sûr. Vous avez qu'à le mettre dans la cale, par ici. Et pour son petit chien? Trouvez-le et vous toucherez une récompense substantielle. Substantielle, ça doit faire beaucoup ça. Je pourrais m'acheter un ce nouveau Goujat costume. A essayé de me détrousser. Trouvez son chien pour toucher une récompense substantielle. Messieurs les détectives, mon mari a disparu. Il avait soif. Je l'ai cherché au bar, mais... Nous n'avons pas le temps pour ça, madame. Substantiel. Ah, c'est d'un mesquin. Si je découvre ce chien, je réclamerai une récompense considérable. Merci. Et prévenez-nous si vous voyez le criminel à quatre pattes. Milou n'est pas à... Avancez, crapule à deux pattes. Oh, mais il est si mignon, ce petit chien. Pourquoi fait-il si chaud ici? Mes cordes vocales seront complètement desséchées avant que ce maudit piano ne soit accordé. Vous pourriez peut-être ouvrir cette fenêtre derrière vous, monsieur. Ah. Au nom des admiratrices du grand acteur et chanteur Randolfo Bertolino, c'est moi. Grazie. C'est tout naturel, monsieur. Dear Mommy. Eau gazeuse? Oui. Cacahuète? Oui. Do, 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 do. Eau de source? Do. Non. Ça va pas. Non. Gomina? Oui, on ne sait jamais. Alors, voyons. Glaçon? Oui. Do, do. Serviette? Do, oui. Do, do, do. Toujours pas? Gobelet? Ah. Non. Mmh.
Très bien. On va réessayer. Mamma mia! Vilaine corde! Ah! Le couvercle du piano est tombé! Aïe! De toute façon, les passagers n'ont rien à faire ici. De plus, votre femme est à votre recherche. Vous savez quoi? Je ne goûte. 10. Bah oui, mais maintenant celui-là est soif. Soif, tout doit toujours être bien aiguisé. C'est ma soif. 1, 2, 3. Ah, vide. 10. Et les frégates à l'étage tendirent des mains de chanvre, me prenant pour une souris échouée sur les sables. Nope. Could it be on the desk? Ah, then I guess it's in the locker. Je partis tôt avec mon chien rendre visite à la mer. Du sous-sol, les sirènes montèrent pour me voir. Not here. What if it's on the desk? Maybe it's on the desk. Je partis tôt avec mon chien rendre visite à la mer. Du sous-sol, les sirènes montèrent pour me voir. Maybe it's on the desk. Je partis tôt avec mon chien rendre visite à la mer. Du sous-sol, les sirènes montèrent pour me voir. Je partis tôt avec mon chien rendre visite à la mer. Du sous-sol, les sirènes montèrent pour me voir.
Merci pour les clés, matelot. Celle qui ouvre la cale, c'est la... Évitez de nous embarrasser de détails, nous sommes en mission. Bien, messieurs, désolé. Eh bien, moi aussi, je suis en mission. Je vais trouver ce chien. Left, right. 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 Come here! Ce poltron de Tom et son histoire de rat. Left, right. Left, right. Ce poltron de Tom et son histoire de rat. Left, right. Vous devez me croire, un fantôme a crié dans l'aération. Mais c'était moi. J'étais à la poursuite d'un... Silence, délinquant, et regardez où vous mettez les pieds. Aïe. Ça fait mal. Oh là là, c'est un travail à faire à plusieurs, ça. Une serviette à la fois. C'est ma façon de faire grève. Ce poltron de Tom et son histoire de rat. Si je pouvais prouver qu'il n'y a aucun rat, Tom serait obligé de revenir. C'est un travail à faire à plusieurs, ça. Une serviette à la fois. C'est ma façon de faire grève. Ce poltron de Tom et son histoire de rat. Si je pouvais prouver qu'il n'y a aucun rat, Tom serait obligé de revenir. Travail à faire à plusieurs, ça. Voici la porte de la cale du pont. Enferme-le. Moi ? Mais le matelot t'a donné les clés du pont. Jamais de la vie. C'est à toi qu'il a donné les clés de la cale du pont. Regarde dans tes poches. Pas là ? Non. Non. Ah ! Je ne les sais pas. Elles sont dans ta poche. Pas là. Non. 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 Je ne les ai pas. Elles sont dans ta poche.
pas là? Non. Non. Ah, je ne les ai pas. Elles sont dans ta poche. What's happened? Pas là. Non. 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 Je ne les ai pas. Elles sont dans ta poche. Pas là. Non. Non. Pas là. Non. Non. Ah, je ne les ai pas. Elles sont dans ta poche. Oh, regarde, les clés. Nous avons dû les perdre en tombant. Nous avions tous deux raison. Comme d'habitude. Quant à vous, jeune délinquant... Non. Mais vous devez m'écouter. Entrez là-dedans. Non. Alors, de quelle clé peut-il s'agir? La bonne chose, c'est possible. Je suis formel, ça l'est. Ah, encore une affaire résolue, Dupont. Eh oui, du pur génie comme à notre habitude, Dupont. Il ne nous reste plus qu'à attendre notre arrivée à Port Saïd. Et nous pourrons remettre ce criminel aux autorités. Tu as entendu ça, Milou? Il faut quitter ce bateau. Essayons de trouver toutes les sorties potentielles. Ensuite, une fois les possibilités identifiées, nous pourrons choisir la meilleure option.